La ville du Moyen-Âge est un lieu de liberté, de savoir et de plaisir. C'est aussi un endroit d'une rare saleté. Si les cités romaines ont été pensées et construites suivant un plan d'ensemble, les villes médiévales ont connu pour la plupart une croissance anarchique, ramassée autour d'un noyau défensif et encastrée dans une ceinture de murailles. Les autorités considèrent que la propreté est l'affaire de chacun. Pas de système d'égouts souterrains, pas de gestion centralisée des déchets, aucune réglementation. Dans les rues étroites, les déchets se mêlent au sang des boucheries. Les forges et les teintureries saturent l'air d'odeurs pestilentielles. Les quartiers pauvres héritent des eaux usées des quartiers riches situés plus haut. Au XIIIe siècle, on commence à paver les rues, à creuser des égouts, à interdire de jeter ses déchets sur son palier. Les questions d'hygiène et de santé publique deviennent sérieuses.